ça. Ouais. Moi, c'est Nick, je suis à la base de la création du groupe en 1996. Je suis chanteur depuis le début. Et c'est une petite groupe de death mélodique en 1996, on est là. Et puis, on a sorti un album récemment, plusieurs albums. Pas mal d'albums, et le dernier est sorti donc notamment le dernier, voilà, qui s'appelle Il continue. Comment t'es venu l'idée de créer, tu m'as dit que tu étais le créateur du groupe, de sortir un groupe et de Nancy Alors j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tous les petits métalleux en herbe, voilà. C'est un petit peu parti d'un sentiment de. Voilà, tu vas écouter des stars, tu vas voir certains des fois sur la main stage. Et en fait, on s'est rencontrés avec les gens, c'était des fois en Paris. Et on s'est dit, l'idée c'est moi qui l'ai eu, j'ai été les voir parce que je savais qu'il y avait un des frangins qui faisait de la batterie. Alors, un batteur, il faut savoir, c'est toujours plus compliqué à trouver, surtout à ses âges. Ça m'a trop coûté. Et on a commencé à monter le groupe comme ça en fait. Voilà. C'était, j'ai envie de dire, pour faire un petit peu comme le football tout simplement. Je pense que c'est un peu l'histoire d'ailleurs de la vie de tout le monde. Donc je suppose, pour faire comme les idoles, ça a été d'abord un groupe de reprise, peut-être de cover, non. Directement vous êtes lancé dans la composition. On s'est lancé dès le début dans la composition. Ouais. Les débuts du groupe étaient beaucoup plus axés Black Death. Et je dirais qu'il y a un album qui s'appelle Synthetic Existence qui était sorti à l'époque chez Adi Poser, qui a été un peu notre album de transition. Et là, on a été dans des groupes de death metal et notamment en apportant énormément de mélodies. Et c'est ce qui donne aujourd'hui pas mal notre death metal. Mais on a toujours joué dans nos positions. Ça arrivait jamais comme ça, on répète, mais on a toujours été un groupe de combo. Quelles ont été tes influences justement, parce qu'il y a quand même des influences aussi bien au chant, qu'à la batterie, qu'à la batterie. À toi, quelles ont été tes influences? Un jour tu t'es levé, tu t'es dit, oh, j'ai pris la claque, je veux faire ça, d'abord avoir une influence. Moi, clairement, ce qui m'a donné envie de faire un groupe, c'est la première. À l'époque, c'était les VHS, tu vois. J'ai mis la VHS de Slayer, et là, quand j'ai vu la violence que ça pouvait être, j'ai jamais vu un groupe qui a, comment dire, avec du son, pouvait lancer autant de violence. Et là, je me suis ressenti complètement doucement avec ça. Je me suis dit, putain, je veux faire ça. C'est trop énorme que je ne fasse pas dans ma vie. Et donc je dirais Slayer, mais tu vois, pas tant dans la musique finalement, mais dans l'approche de ce que ça pouvait générer, tu vois, aussi bien positif que négatif aussi, mais la violence que ça pouvait jeter, je me trouvais vraiment. Je me suis dit, c'est pour moi, c'est le truc que je veux faire, tu vois. Et voilà, donc je dirais Slayer en termes de dynamique et de jeu de scène, de tout ce que ça pouvait dégager à l'époque. Et d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'est toi qui allais chercher les infos. Voilà, est-ce que c'est vrai, tu vois, cette histoire où il y avait beaucoup de légendes urbaines, on va dire, tu sais. Et voilà, donc moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Après, musicalement, évidemment, moi, tu vois, je suis en 78, donc je viens quand même d'une génération où on a grandi avec les Sepultura, Slayer, tout ça, donc ça a été... un petit peu des choses qui sont toujours restées dans une directrice, tu vois. Voilà, après il y a eu l'avènement du black metal et surtout à une époque, je dirais fin 90, début 2000, qui était ce qu'on appellerait aujourd'hui le black sympho. Moi je pense que ça des groupes comme Horror, donc comme ça qui nous ont énormément inspirés sur nos débuts. Et finalement aujourd'hui on retrouve encore certaines petites lignes de choses, je dirais, un peu blackisantes, tu vois, et c'est resté à travers les années. Donc, je pense qu'on a forgé avec les années notre identité et on a pu garder, j'ai envie de dire, toutes ces infos du début, voilà, qui sont finalement très larges. Tu vois, je te parle de Slayer, je te parle d'un peu rare. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Que penses-tu de, justement, tu parles de black et tout ça, de la scène norvégienne? Alors moi je suis
suis un gros fan de black metal, donc je suis vraiment fan de Dissection. Ça sera un peu, c'est dans le top 3. Là, on a un groupe qui m'a beaucoup inspiré, sur peut-être des classements. C'est vrai que moi, c'est un peu, enfin, même globalement dans le groupe, on est très influencé par toute cette scène-là. Après, sur la scène norvégienne, j'avais un petit peu calmé quelques années et en ce moment, je tombe à titre parce que j'écoute quasiment que du black. Donc voilà, et je dirais même que j'ai énormément de surprises avec certains groupes. Par exemple, je dirais cette nouvelle scène, alors il y en a qui vont les mettre dans. On appelle ça du post-black, je sais pas, mais moi j'ai adoré par exemple Arachiri from the Sky, je suis vraiment fan, j'ai découvert notamment, ils ont joué juste avant nous au rock metal core comme Rosa, qui est un putain de groupe de black, c'est des Allemands. Voilà, il y a plein de groupes comme ça qui sortent et c'est des véritables pépites, donc je m'intéresse énormément à la scène black. Après les grands classiques, on peut bien dire que vous parliez, moi j'ai pas honte. En tout cas, pas à la fin de carrière, mais tous les premiers, j'écoute toujours ça avec un très très grand plaisir. Ça. Après, il y a peut-être de la nostalgie dans tout ça aussi, hein, c'est certain. Mais voilà, je trouve qu'il y avait une très belle scène black metal avant, et je trouve qu'elle a su ce qu'est généré. Excuse-moi, mais je t'en souviens, là aussi. Justement. Tu vas voir des groupes, ça te met la pêche, ça te met la banane. Est-ce que ça te donne des idées pour des futurs compos? Ou est-ce que ça vous donne des idées pour dire, bah oui, mais là on est peut-être passé à côté de quelque chose qu'il ne faudrait pas rater la prochaine fois? Parce que la musique évolue énormément dans tous les sens du terme. Non, alors je dirais pas que ça nous influe comme ça directement. Après, si tu veux, on écoute tellement de styles variés, et même hors métal, pour certains des compositeurs. Notamment par exemple, tu vois, mon soliste, il y a énormément de lead, très travaillé, et il écoute aussi bien des. Génial, elle. Mais il y en a beaucoup, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Et il écoute aussi bien des. Tu vois, des gars comme Vi, tu vois, qui va jouer. Tu vois, voilà, il écoute aussi bien ça que des groupes de black metal, ou des trucs de deathcore nouveau, moderne, avec une nouvelle touche dans les leads. Donc, je dirais pas que ça nous influence, mais finalement, un petit peu. Forcément, c'est le fait d'être musicien qui fait ça. Tu es toujours en recherche de nouvelles sonorités et voilà. Donc, je pourrais pas dire que ceci nous impacte notre musique. Mais après, effectivement, par contre, voir des artistes sur scène, je pense que j'aurais pu travailler dans un truc de théâtre, tu vois, parce que moi, j'analyse beaucoup les décors. Effectivement, tu te dis, putain, ça c'est pas cool, tu vois, on va peut-être pouvoir. Ça peut te donner une idée, tu vois, retravailler, pas forcément faire pareil, mais voilà, c'est. Parce que tout ça, c'est de la mise en scène en fait. C'est un peu l'esprit Watain ou quoi avec des. Ouais, voilà, bah après ça colle bien à la musique de Watain, bon, si on arriverait avec tout ça, ça collerait pas sur notre mélo, mais effectivement, dans l'idée, voilà, tu peux. Ça, forcément, ça influence, c'est comme certainement Watain a eu l'idée en regardant quelqu'un d'autre, tu vois. Peut-être merci pour le fest aussi. C'est marrant parce que ça rejoint un petit peu l'interview que mon fils a fait il y a quelques 2-3 mois avec Nico Butcher de Miami, qui dit qu'il adore jouer tout ce qui est black, notamment, mais par contre, il adore écouter Simon Le Bon, Duran Duran et tout ça. C'est assez marrant de voir que je crois que le public black est beaucoup plus ouvert à une ouverture musicale, entre guillemets, ouais, ouais. Plus large esprit que, entre guillemets, le hard 2, lambda, les silicis, le droit de. Ouais, c'est probable ce que tu dis. Ouais. Je pense aussi, moi c'est mon avis, je pense qu'il y a énormément de musiciens aussi dans cette scène, il ne faut pas le nier. Et forcément, musicien dit recherche musicale. Tu apprends à faire de la guitare, tu vas pas jouer un morceau de Mayhem direct, même si t'es métallo. Tu vas commencer par jouer des trucs de bluesy, tu vas apprendre certaines gammes. Et tu vois ça tout de suite, ça t'ouvre ça te met dans un certain mood, tu vois, de recherche musicale. En tout cas,
fait, c'est un peu mon avis. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est peut-être comme ça. Et je te rejoins sur ce que tu dis, je pense que tu as raison. Est-ce que tu as raison ? Comment se passent les compositions au sein de votre groupe ? Est-ce que chacun travaille de ce côté et puis amène un produit presque fini où chacun greffe quelque chose, ou alors il n'y en a qu'un qui va décider pour les groupes ? Alors, comment ça se passe chez nous, c'est que on a plusieurs compositeurs déjà, il faut savoir, et en fait, il faut amener le morceau entier. Donc le gars compose le morceau entier comme lui le voit, avec le refrain, le couplet, etc. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, au moins, on va direct dans l'efficace. On garde l'ambiance générale du titre. Alors si chacun amène son riff, d'un moment, c'est un casse-tête, ça, le morceau ne ressemble à plus rien. Donc on fait comme ça. Une fois qu'il est fini, on dit voilà, le morceau il est tel quel, qu'est-ce que vous en pensez ? Et là après c'est tout un vote. Et là on voit si on peut retravailler les choses. Donc on apporte chacun notre petite patte dessus. À la fin on le valide, on voit. Si tout le monde est d'accord, on passe. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, poubelle. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc du coup, des fois il y a 20 morceaux, puis on en a voilà, le dernier album c'était ça. Et justement les lyrics. Parce que là, par contre, tout le monde a un droit de regard sur les paroles, ou pas du tout, on laisse libre choix, vas-y, trace pour les paroles, ou alors on a libre droit, ou alors on va même aller chercher plus loin, l'actualité, on a envie de revendiquer des choses qui nous heurtent, et surtout maintenant, pour le moment, un peu heurte un peu le public, un petit quelque chose heurte un peu. Pour les lyrics, c'est moi donc qui me charge de ça totalement. Les lyrics, c'est simple. Moi, je leur émets déjà le concept, entre guillemets. Tu vois, on va dire la ligne directrice de l'album. Là, ils valident. Donc, on va guider pour le continuum de l'album, on va guider directement. Et après, moi, je propose donc le texte avec mon casement. Je suis équipé à la maison, j'ai mon studio. Et là, une fois que c'est validé, on corrige, surtout avec Seb, mon guitariste, qui est, lui, est très dingue. Donc, du coup, on corrige. Petites erreurs, peut-être l'accent, des petites choses comme ça, ou des tournures qui peuvent être mieux faites. Voilà. Donc ça, c'est plutôt mon job, et là-dessus, j'avoue qu'il me laisse, j'ai vraiment une carte blanche. Après, des textes en profondeur, nous, on ne veut pas revendiquer des choses ou quoi, en fait. Dans le sens, moi, je suis personne pour dire comment penser ou quoi. Moi, j'ai mon avis sur plein de choses. Ça regarde que moi, ma famille, mes proches. Donc, je suis pas là pour faire le moralisateur. En tout cas, nous, ce qu'on aime pas parler, alors c'est peut-être aussi bien lié à notre style, c'est plus des souffrances intérieures. Moi, si tu veux, c'est un peu psychanalyse, mes textes, plus qu'autre chose. Et donc, en fait, il n'y a pas de message, en fait. C'est moi, je vis mon sac pour moi-même, tu vois. C'est un peu dans cet état d'esprit que c'est écrit. Voilà. Donc, il n'y a pas franchement de message à faire passer ou quoi. Attention, je ne regarde pas vos copines du tout, loin de là, mais il y a quelque chose qui m'intrigue depuis tout à l'heure, Black, Death Metal, et quand je vois le titre Destinity, hein, c'est pareil que sur l'album, Miracle, c'est un nom de groupe qu'on arrive à dire, forcément, on ne prend pas c'est bête à dire, mais un tas de branches, et allez-y, trouvez le nom du groupe. Est-ce que c'est un choix ou... Alors, ça a été, alors c'est un logo qui a été remanié trois fois. Alors au début il était que, alors pas autant quand même, il était lisible mais il était un peu gratiné forcément. Et ça c'est, je te parle en 96 et après ça doit être vers l'album Inside en 2006. On avait gardé plus que les côtés machin et on avait mis Police à l'intérieur. On a fait trois albums comme ça et là le dernier qu'on est revenu, parce qu'on a eu un hiatus de 9 ans et qu'on est revenu, là on a dit ouais, marre de ce logo, on voulait partir sur un truc voilà, lisible et voilà, et puis ça s'y prête bien avec mon style aujourd'hui, donc voilà, c'est un coup, on avait envie de changer. On y passe, on recommence tout, on va dire plus ou moins à zéro. Ouais, enfin sans parler de repartir à zéro, mais en tout cas on voulait, bah, c'était le moment de le faire. Ça faisait un moment que ce logo, on traînait depuis des années, on l'avait fait évoluer, mais pour moi il n'y avait plus rien à tirer, on était arrivé au bout, et puis tout le monde était sur la même, tout le monde était d'accord, donc voilà, et puis bah, du coup au final on en a eu plein par des graphistes, et finalement ils ont retenu le mien. C'est moi qui l'ai fait, c'est vrai que c'est pas toujours.
vous avez joué, comme tu m'as dit, il y a quelques jours. Quel a été l'accueil que le public vous a réservé? Alors nous, on a joué en 2019 au Hellfest. Ouais, 2019. Et après, en ce moment, c'est vrai qu'on est pas mal sur la route. Donc là, les dernières dates, c'était la Rock Metal Camp à Limoges. On a fait le Lions Metal Fest à Lyon. Et puis là, on s'apprête. Là, c'est vraiment super bien passé. On est super content parce qu'on peut jouer enfin à de nouveaux morceaux parce que la dernière c'est tout le top. Et voilà, alors on a quelques belles dates encore qui arrivent. On joue le Planet Fest dans 15 jours. C'est culturel, en juillet, on a une bonne super affiche. Et 15 jours après, on joue en Allemagne au Baden in Wheat avec Soulwork, Rotting Christ, Primordial, Destruction. Ah ouais, très très belle affiche, on est super content. On a pas mal de dates comme ça, donc on a hâte de voir les fans, faire la fête avec eux, venir ensemble, passer du bon temps. T'entends parler, on voit bien que tes yeux pétillent, que tu vis de ta passion, de ta musique. C'est bête à dire, mais quel groupe aimerais-tu jouer avec, soit une jam, soit ton groupe pour le monde que tu aurais aimé ouvrir? C'est un groupe qui n'existe plus. Répondre à ta question, effectivement, il y a énormément de passion. Le jour où je perds 30% de ça, j'arrête. Je ne voudrais pas être malhonnête envers les fans. Donc ça, c'est clair, c'est ultra passionné. De toute façon, je suis énormément investi dans la scène française. Mais à côté de ça, pour répondre à ta deuxième question, mon groupe à ouvrir, évidemment, alors, c'est rigolo. Tu parles de ça parce qu'on en a rigolé tout à l'heure. Il y a les plaques des années, tu sais, des anciennes éditions. Et il y a la première plaque, vous la regarderez, donc, qui est de 2007. Et il y a le logo de Slayer et il y a le logo de Destiny gravé sur la même plaque. Et c'est bête, mais c'est vrai que c'est un petit truc quand même. On y est passé tout à l'heure et c'est ma petite marotte de chaque année. Et, ouais, putain, quand même. Voilà, c'était. Voilà, alors vraiment, le rêve aurait été de jouer sur la même scène, en tout cas avec Slayer. Je vais déjà pas me plaindre avec. T'as déjà joué pour le concert ou pas? Nous, on a des connaissances qui ont malheureusement. Ne le verront jamais. Ouais, ouais. Attention, hein, s'ils arrêtent comme Scorpion, arrêtez ou Deep Purple, oui. ou Motley Crue, on les verra peut-être encore un jour. Ouais. Voilà. Là, malheureusement, l'interview commence à toucher à sa fin. Je vais te laisser le mot de la fin pour tes fans en regardant la version. Merci à vous tous pour votre soutien. Si vous n'avez pas encore écouté, continuez, faites-le. C'est un gros album de Death Mello. Moi, je tiens à remercier tous les fans du groupe, tous ceux qui nous soutiennent, qui commandent des t-shirts. Voilà, c'est grâce à vous qu'on existe. Et je tiens à vous remercier tous les deux pour votre soutien de la scène française. Merci à toi. Et franchement, le t-shirt est super.